السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. هذه الحصة هذه سأخصها لمسلك العلوم الاقتصادية فيما يخص صحيح الامتحان الوطني الدور الاستدراكية مادة الرياضيات. إذا على بركة الله، الموضوع فقط هنا للاستئناس طبيعة الحال بالنسبة للذين لا يتوفرون على نسخة منه. إذا تلاحظوا بأن هناك مجموعة من التمارين، سنقوم بإنجاز التمرين الأول والثاني ثم الثالث والرابع، ربما هناك مجموعة من التمارين في حدود 6 تمارين. إذا بالنسبة للتمرين الأول، سوا لا سويت نيميريك ديفيني بار WN 2 على بويسونس N موانز 1 سور 2 على بويسونس N بلس 1. فيريفيي كو WN إت إيكال 1 موان 2 سور 2 N 2 على بويسونس N بلس 1. مونتري كو WN إت إنفيريور ستريكتومون 1. مونتري كو WN إت سويت كرواسونت، يعني تزايدية، باستعمال للسؤال الأول: هل المتتالية متقاربة؟ وإن كان فلا بد من التبرير. بالنسبة للسؤال الثاني، هناك متتالية محددة عفوا معرفة اي 0 ايكال 1 دومي ان بلس 1 ايكال 5 سور 7 يو ان موان 5 سور 7. اولا احسب يو ان، اون بوز في ان ايكال يو ان بلس 5 دومي، كالكولي في 0، مونتري كو في ان ات اون سويت جيومتريك، يعني بين ان المتتالية هندسية، استنتج في ان بدلالة ان، تحقق بان يو ان ايكال 3 5 سور 7 ان موان 5 دومي، حدد ليميت او احسب ليميت دو يو ان اون بلس لانفيني. اذا فوالا فيما يخص هذا السؤال، غادي نبدا نجاوب دابا على التمرين الاول والثاني ثم انطلق الى التمرين الثالث. اذا فيما يخص السؤال الاول بالنسبه للمتتاليه، فتعلمون جيدا انها انا عاود نكتبوها هنايا. اذا لدينا دوبل في ان ايكال 2 على بويسونس ان موانز 1 سور 2 على بويسونس ان بلس 1. Donc la première question, c'est banal. Donc on doit vérifier que un WN égale à 1 moins 2 sur 2 N plus 1. Donc vous avez le choix. Soit en partant de cette expression, c'est-à-dire 2N moins 1 sur 2 N plus 1, je peux la mettre soit dans la forme de N. Je dois faire apparaître le dénominateur. Il y a un haul. Bien le dénominateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins 2 ici. Donc, c'est comme si rien n'était passé. Alors, 2n plus 1 sur 2n plus 1 n'est autre que 1. Il me reste 2 sur 2n plus 1. Alors, ce n'est pas la seule méthode. Donc, ou bien, donc voilà, je vous donne la deuxième méthode. Donc, à partir de l'expression qu'on vous a donnée, c'est-à-dire, voilà, 2 à la puissance n plus 1, vous allez mettre au même dénominateur, voilà, et il va vous donner, voilà, 2n moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc vous avez le choix entre ces deux méthodes. Deuxième question, on va étudier ou bien montrer que Wn est inférieur à 1. Alors pour ce faire, on dira Wn moins 1 qui est égal, je vais faire à partir de l'expression qu'on vous a donnée, donc on a 1 moins 2 sur 2n à la puissance n. Donc si je fais retrancher 1, donc il me reste moins 2 sur 2 à la puissance n plus 1. Vous savez bien sûr que 2 à la puissance n plus 1 est strictement supérieur à 0, quel que soit n appartenant à n. Et par conséquent, Wn moins 1 est inférieur à 0. Ce qui prouve que Wn est inférieur à 1. L'alignement de la croissance ou la nature de la suite. Donc on doit chercher Wn plus 1 moins Wn. Alors à partir de la question 1 qu'on doit utiliser, Wn plus 1 c'est 1 moins 2 sur 2n plus 1 plus 1 moins 1 plus 2 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc, on va simplifier. Donc, il me reste un 2 en facteur. Donc, il me reste 1 sur 2 à la puissance n plus 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1 plus 1. Donc, si je mets au même dénominateur, donc j'aurai ici 2 à la puissance n plus 1 moins
2 à la puissance n sur 2 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1 plus 1. Donc, je continue. Donc, voilà. J'aurai donc Wn plus 1 moins Wn. Si je mets toujours, j'aurai deux facteurs. Donc, j'aurai 2 à la puissance n plus 1. Je peux l'écrire comme étant 2 fois à la puissance n fois 2. Il me reste moins 2 à la puissance n sur 2 à la puissance n plus 1 fois 2n plus 1 plus 1. C'est-à-dire 2 fois 2n moins 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance n. Donc, il me reste 2 fois 2 à la puissance n. Ça donne directement 2 à la puissance n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1 plus 1. Comme le dénominateur il est toujours positif, donc voilà, ça c'est positif. Et par conséquent, Wn plus 1 est supérieur à Wn, ce qui prouve que Wn donc, est une suite croissante. Alors bien sûr, c'est une méthode. Je vous invite de chercher ou d'utiliser, si vous voulez, une deuxième méthode. Voilà. Comment je vais faire? Tout simplement, à partir de l'expression de Wn qui est égal à 1 moins 2 sur 2n à la plus 1. Là, on vous dit d'utiliser la question 1. Donc ici, j'ai 1 moins 2 sur 2 à la puissance n plus 1 plus 1. Donc il suffit de comparer Wn et Wn plus 1. Alors, comme 2 à la puissance n est inférieur à 2 à la puissance n plus 1, ça veut dire si j'ajoute le terme 1 de part et d'autre, j'aurai, voilà, plus 1. Autrement dit, l'inverse, c'est-à-dire 1 sur 2 à la puissance n plus 1 sera supérieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1 plus 1. Donc si je multiplie par moins 1 des deux côtés, j'aurai l'inverse, je dois mettre le signe. Je dois inverser le signe. Donc voilà, j'aurai cette expression-là. Donc si j'ajoute 1 de part et d'autre, j'aurai donc 1 sur 2n plus 1 est inférieur à 1 moins sur 1 sur 2n plus 1 plus 1. Donc ce qui prouve, voilà, cette expression n'est autre que Wn. Donc il est inférieur à Wn plus 1. Et par conséquent, je dis que Wn est une suite croissante et tazayudiya. Et d'ailleurs, comme le choix entre ces deux méthodes. Donc voilà pour cette question. Donc je reviens à maintenant, je vais passer. Est-ce que la suite est convergente? Justifiez votre réponse. Alors, pour dire qu'une suite est convergente, je dois m'assurer d'une condition qui est intéressante, c'est que la suite est croissante. Donc, je vais dire pour cette question-là. Donc, on a Wn est une suite croissante. Voilà une première condition. Et majorée par quelle valeur? C'est par la valeur 1. Donc, فهي متتالية تزايدية ومكبورة بالعدد واحد. إذن فهذا يعني أن Wn فهي une suite متقاربة أو on dit convergente. Voilà بالنسبة لهذا التمرين. دابا غنطلقوا التمرين 2 اللي هو يتعلق ب المتتالية كما ترون. عندنا U0 est égal à 1,5, N plus 1 est égal à 5 septièmes, moins 5 sur 7. Premièrement, calculer U1, Bin Anna Vn est une suite, calculer V0, Bin Mutalia Hendesia, on doit Vn, etc. Donc, on va répondre à ces différentes questions. Iden Binisba, l'exercice, voilà, 2. On a U0 est égal à 1,5. Et on a Un plus 1 est égal à 5 sur 7 Un moins 5 sur 7. Donc, première question,
U1, il faut donner à n la valeur 0. Donc j'aurai 5 septièmes U0 moins 5 septièmes. Donc c'est 5 septièmes fois 1 demi moins 5 sur 7, soit disons 5 septièmes en facteur de 1 demi moins 1. Donc c'est moins 1 demi fois, donc ça me donne moins 5 sur 14. Alors deuxième question, vous avez Vn est égal à Un plus 5 demi. Alors pour la question 2a, donc V0 sera donc U0 plus 5 demi. Alors, comme U0 est égal à 1 demi, donc vous aurez V0 égal à 3. Donc, la question 2A, voilà, la question 2B. Alors, je vais d'abord démontrer que la suite est une suite géométrique. Et je dois calculer V1 plus 1, l'IA de Tsaoui, U1 plus 1 plus 5 demi, soit 5, je vais remplacer UN 5 septième, UN, moins 5 septièmes, il me reste plus 5 demi. Donc c'est 5 septièmes UN. Il me reste, si je vais au même dénominateur, donc j'aurai moins 10 plus 35 sur 14. Donc c'est-à-dire, j'aurai 5 sur 7 UN plus 25 sur 14. Donc si je mets 5 sur 7 en facteur, j'aurai UN plus 5 demi. Autrement dit, c'est quoi? C'est 5 septièmes, donc, fois Vn. Alors, je dis dans ce cas que Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 5 sur 7. Et par conséquent, je peux même mettre Vn en facteur. L'expression de Vn sera égale à V0 Q à la puissance n, soit disons 3 fois 5 sur 7 à la puissance n. Alors pour la question 3a, trouver l'expression de un. On a un, c'est quoi? C'est vn moins 5 demi. C'est-à-dire 3 fois 5 sur 7 à la puissance n moins 5 demi. Donc voilà l'expression de vn. En ce qui concerne la limite, donc je sais que la limite de 5 sur 7 à la puissance n en plus l'infini égale à 0. Pourquoi? Parce que 5 sur 7, bien Q en valeur absolue, est inférieur à 1. Et par conséquent, la limite de un lorsque tend vers plus l'infini, ça restera moins 5 demi. Donc voilà pour cet exercice. Maintenant, je vais passer à... Je vais voir, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc c'est la dernière question. Donc je passe maintenant à l'exercice 3. Donc l'exercice 3, ça concerne la probabilité. Donc la probabilité, c'est un exercice très simple. On vous donne un tableau, on vous donne une loi de variable aléatoire. Donc il suffit de compléter le tableau. Bien sûr, vous devez savoir une chose, c'est que la somme des probabilités normalement toujours devra être égale à 1. Alors connaissant cela, donc vous pouvez déterminer facilement P de x égale à 1, donc et calculer E de x. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Alors je sais que, donc je vais dire que on sait que la somme des probabilités de x égale à xi égale à 1, c'est-à-dire la probabilité de x égale à 0 plus la probabilité de x égale à 1 plus la probabilité de x égale à 3 plus la probabilité de x égale à 4 est égal à 1. Alors de là, je nous déduis que la probabilité de x égale à 1, ça sera donc égal à 1 moins la probabilité de x égale à 0 plus la probabilité de x égale à 3 plus la probabilité de x égale à 4. Donc soit disant 1 moins 1 tiers ici plus 1 sixième plus 1 quart. Donc si je fais même dénominateur, donc c'est 12, donc j'aurai 12 divisé par 3, c'est 4, 12 divisé par 6, c'est 2, 12 divisé par 4, c'est 3. Donc j'aurai donc 1 moins 9 sur 12, soit donc 3 douzièmes, soit donc 1 quart. Donc il suffit donc compléter le tableau et je vais mettre ici 1 sur 4.
Donc, en ce qui concerne la question calcul de l'espérance, donc je sais que l'espérance de x n'est autre que la somme des xi p de xi, ou bien de x égale à xi. Donc, je dois mettre ici 0 fois 1 tiers, plus 1 fois 1 quart, plus 3 fois 1 sixième, plus 4 fois 1 quart. Donc, ça donne 0 plus 1 fois 1 quart. Donc, c'est 1 quart. 3 sixième, c'est 1 demi plus 1. Donc, c'est-à-dire 4. Donc, 4 divisé par 2, c'est 2, plus 4. Donc, je mets au même ordinateur. Donc, ça me donne 7 sur 4. Donc, voilà pour cet exercice-là. Je passe maintenant à quelques vérifier. Ça, c'est pour la question, je pense. Donc, on a terminé donc la question 1. Je passe maintenant à l'exercice 4. Donc, vous avez une urne qui contient 4 boules rouges et 3 boules vertes. Alors, on considère l'expérience suivante. On tire simultanément et au hasard 3 boules de l'urne. Soit A, l'événement, les 3 boules rouges tirées, les 3 boules tirées sont de même couleur. L'événement B, tirer au moins une boule verte. Ah donc, la question, c'était, voilà, vérifier que P de A est égal à 1 septième, calculer P de P, etc. On répète l'expérience 4 fois. Alors, dans les mêmes conditions, montrer que la probabilité que l'événement A se réalise exactement 3 fois et 24 sur 7 à la puissance 4. Alors, on va répondre à ces questions-là, tout simplement. Donc, vous savez bien sûr, la première des choses, il faut mettre les données bien aperçues. Donc, on a 4 boules rouges. On a 3 boules vertes. Alors, il faut d'abord déterminer cardinal de oméga, puisqu'il s'agit d'un tirement au hasard. Donc, on va utiliser la combinaison. Donc, on tire 3 boules parmi 7 en faisant notre calcul. Ça donne 35. Alors, l'événement A, bien sûr, la probabilité de A, c'est que les 3 boules tirées sont de même couleur. Alors, pour qu'il puisse pour qu'on puisse tirer 3 boules de la même couleur, c'est-à-dire soit 3 rouges, alors je dois les tirer à partir de 4, ou bien je dois tirer 3 boules parmi les 3 boules vertes, toujours sur cardinal de oméga. Donc j'aurai 4 plus 1 sur 35, soit 5 sur 35, soit 1 sur 7. Alors la probabilité de l'événement B, c'était de au moins tirer au moins une boule verte. Alors je vais faire un petit dessin pour vous faire comprendre. Donc normalement je tire 3 boules. Voilà. Alors 3 boules bien sûr. Et pour tirer ces 3 boules, donc je dois soit tirer au moins une boule verte. Alors tirer au moins une boule verte, c'est-à-dire je dois avoir une boule ici verte et les autres non vertes. Ou bien je dois tirer deux boules vertes et la troisième non verte. Ou bien je dois tirer trois boules vertes. Alors à partir de ce dessin-là, je peux déterminer donc la probabilité de B, soit en tirant une boule pour la première, tirer une boule parmi les trois, et me reste donc deux boules que je dois tirer parmi les quatre. Ou bien le deuxième choix, c'est de tirer deux boules vertes parmi les 3, il me reste 1 parmi les 4, c'est-à-dire rouge, ou bien tirer 3 boules parmi les 3, le tout sur cardinal de oméga. Donc en faisant notre calcul, donc ça donne 3 fois 6 plus 3 fois 4 plus 1 sur 35. Ça va me donner 31 sur 35. Donc 12 plus 18, c'est 28. C'est 28. Donc 12 plus 18. Donc je vais faire mon calcul avec la calculatrice. Donc j'ai 18 plus 12, c'est 30. Plus 1, ça donne 31. C'est bien ça. Sur 35. Alors maintenant, je passe à la question 2. Donc ça, vous avez bien sûr vos. Ça, c'est votre cours. Donc, je vais mettre tout simplement les données. Donc, vous savez que je vais noter P de A est égal P. Avec P, on a trouvé déjà dans l'exercice 1, c'est 1 septième.
Alors, on vous dit, on répète l'expérience 4 fois. Alors, je vais mettre ça en rouge pour que ce soit clair. Donc, on a répété 4 fois. Alors, la probabilité pour que l'événement A se produise K fois, donc je vais mettre K, donc K fois, donc j'aurai cette probabilité-là, donc la probabilité que A soit égale à K. Voilà, je vous donne tout simplement la formule que vous devez bien sûr apprendre par cœur. Donc c'était C K N P à la puissance K de l'événement A fois 1 moins P à la puissance N moins K. Donc avec N, c'est le nombre de répétitions de l'expérience, donc N égale à 4. Alors, il suffit tout simplement d'appliquer cette formule. Donc, la probabilité pour que A soit égale à 3, qu'on vous a demandé. Donc, j'aurai donc 3 sur 4. La probabilité à la puissance 3 de A, 1 fois moins P à la puissance 4 moins 3. Donc, voilà, c'est bien ça. Donc, c'est-à-dire, c'est 4 fois 1 septième à la puissance 3, fois 1 moins 1 septième, c'est 6 sur 7, soi-disant 24 sur 7, fois 1 sur 7 à la puissance 3. Donc, c'est 24 sur 7 à la puissance 4. Donc, voilà pour cet exercice-là. Donc, je passe maintenant à un autre exercice. Ce sera donc l'exercice, je pense, l'exercice 5, c'est bien. Donc l'exercice 5, ça concerne une fonction. Alors, pour cette fonction, on vous dit, voilà, la première des choses, c'est de déterminer le domaine, ou bien de s'assurer que votre domaine de définition, c'est bien. Ensuite, on vous dit, montrer que la limite de g de x égale à 1 en 0 plus. En plus, l'infini égale à 1, interprétez géométriquement le résultat, etc. Donc voilà, vous aurez l'occasion de lire tout l'exercice. Donc pour ceux qui n'ont pas une copie, donc vous devez stopper la vidéo pour lire convenablement ces questions-là. Donc voilà, je vais passer tout simplement aux réponses. Donc j'ai g de x. Donc voilà, g de x est égal à moins 2 plus ln de x sur moins 1 plus ln de x. Alors, la première question, vous savez que le domaine de G, c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui appartient à R. La première des choses, c'est que ln de x, elle est définie pour x strictement supérieur à 0, sans oublier bien sûr votre dénominateur. Donc, il faut que ln de x moins 1 soit différent de 0. Alors, si vous essayez de résoudre l'équation ln de x moins 1 égale à 0, ça veut dire que ln de x égale à e, ln de e, pardon, parce que 1 c'est ln de e, donc ça veut dire que x égale à e. Alors, notre domaine de définition sera donc, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x est supérieur à 0 et x différent de e. Alors, bien sûr, vous pouvez utiliser une droite. Donc voilà, vous aurez 0, vous avez e. Donc x, elle est supérieure strictement à 0, premièrement, et vous avez x est différent de e. Donc on doit supprimer ce e. Donc votre domaine de définition dans ce cas, il est bien clair. Donc c'est 0 jusqu'au e, union e plus l'infini. La question 2a, c'était de chercher la limite de g de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est-à-dire la limite de la fonction ci-dessus.
Alors, pour simplifier la tâche, on pose par exemple t égale à ln de x, et vous savez que lorsque x tend vers 0 plus, alors t tend vers ln de 0 plus, donc c'est moins l'infini. Alors, la limite dans ce cas de la fonction g de x en 0 plus, ça sera donc la limite de t lorsque t tend vers moins l'infini de moins 2 plus t sur moins 1 plus t. Alors, c'est quand vous avez deux fonctions, donc vous allez utiliser le plus haut degré sur le plus haut degré, donc ça sera la limite de t sur t, donc c'est bien égal à 1. Alors, pour la question de B, la limite de g de x lorsque tend vers plus l'infini, toujours en gardant t égale à ln de x, ça sera donc la limite lorsque t, cette fois-ci, ça tend vers plus l'infini, puisque x tend vers plus l'infini, alors t tend vers plus l'infini, de moins 2 plus t sur moins 1 plus t. Donc, ça sera toujours la même, donc est égal à 1. Alors, quelle sera donc la conclusion? Bien sûr, j'ai répété donc ces questions-là. Donc, voilà, je vais passer tout simplement, je dis que c de g, donc il admet alors une asymptote horizontale d'équation y égale 1. يعني أن الملحنى يقبل مقاربا أفقيا معادلته y يساوي 1. إذن فيما يخص الآن question 2c. Il faut chercher la limite de g de x lorsque tend vers e moins, qui n'est autre que la limite lorsque x tend vers e moins, de quoi? De moins 2 plus ln de x sur moins 1 plus ln de x. Alors, bien sûr, la limite lorsque tend vers e moins du numérateur, aucun problème, parce qu'il suffit de remplacer x par ln de e qui est égal à 1, ça vous donnera moins 1. Et la limite lorsque x tend vers e moins de ln de x moins 1 est égale à 0. Alors, est-ce qu'il s'agit de 0 plus ou bien 0 moins? Ici, il s'agit de 0 moins. Pourquoi? Parce que vous savez que ln de x moins 1 est inférieur à 0, c'est-à-dire que vous aurez ln de x est inférieur à 1. Et qui dit ln de x est inférieur à 1, ça veut dire que x est inférieur à e. Et par conséquent, vous aurez moins 1 sur 0 plus, 0 moins, ça veut dire que la limite de g de x lorsque tend vers e moins, donc moins 1 sur 0 moins, ça vous donne plus l'infini. Alors, pour l'autre cas, donc la limite de g de x lorsque tend vers e plus, on aura moins 1 sur 0 plus, donc c'est moins l'infini. Question de D. Donc, ça veut dire, on va donc conclure interprétation géométrique, donc C de F, il admet une asymptote qui est verticale d'équation X égale à E. Maintenant, je vais passer à la recherche de la dérivation. Alors, on vous dit, voilà, montrer que G' de X égale. Alors, il suffit tout simplement d'appliquer les relations de la dérivation, sans oublier de noter que la fonction g est une fonction dérivable sur son domaine de définition, puisqu'il est composé de deux fonctions dérivables sur 0 plus, en particulier sur le domaine de définition en question. Alors, il suffit donc on aura g' de x n'est autre que moins 2 plus ln de x, fois moins 1 plus ln de x, moins 2 plus ln de x, fois la dérivée de moins 1 plus ln de x, le tout sur le dénominateur au carré. Voilà. Alors, je continue. Donc, ça sera donc 1 sur x, fois moins 1 plus ln de x, moins 2 plus ln de x, fois 1 sur x, toujours sur moins 1, plus ln de x au carré. Donc, si je mets 1 sur x en facteur, donc j'aurai moins 1 plus ln de x plus 2 moins ln de x
sur moins 1 plus ln de x au carré. Donc je pourrais simplifier, donc 2 moins 1 c'est 1, donc il reste 1 sur x, je vais la faire descendre, donc il reste x moins 1 plus ln de x, le tout au carré, et vous avez votre résultat. Maintenant, je passe à montrer pour la question 3b, montrer que j'ai strictement croissante. Alors vous savez, d'après l'expression de g' de x, alors n'oubliez pas que x appartient à l'intervalle 0e union e plus l'infini. Alors on peut dire, puisque ln de x moins 1, vous avez deux choses. Vous avez ln de x moins 1 au carré, il est toujours positif, quel que soit x appartenant à d de g. Et l'on est de même, 1 sur x, il est positif. Alors ça veut dire que g' de x est positif sur d de g. Alors ça veut dire que g est strictement croissante sur le domaine de définition, c'est-à-dire sur 0e union e plus l'infini. Question 3c, c'était calculer g de e au carré. Ça sera donc moins 2 plus ln de e au carré sur moins 1 plus ln de e au carré. C'est-à-dire moins 2 plus 2 ln de 2 moins 1 ln au carré, c'est 2 fois ln de e. Donc ça sera égal à 0. Alors, votre tableau de variation sera le suivant. Donc voilà x, g' de x, g de x. Donc 0, e plus l'infini. Donc on a trouvé qu'il est positif. Donc voilà votre tableau de variation. Il suffit de remplacer, de poser vos limites. Donc voilà, voilà. Alors, il y a une chose importante, c'est que chaque question qu'on vous a donnée, vous devez l'utiliser. Donc on a ici e au carré. G de e au carré est égal à 0. Alors là, comment on va déduire le signe de la fonction? Alors, pour chercher par exemple ici l'image de l'intervalle 0 jusqu'à e, à partir de notre tableau de variation, puisque la fonction est croissante, donc ça sera 1 plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à 0e, vous aurez toujours g de x est strictement supérieur à 1, soi-disant strictement supérieur à 0. Alors pour l'autre, si je cherche g de e jusqu'au e au carré, égal à quoi? Toujours est égal à moins l'infini, et g de e au carré égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à e, e au carré, vous aurez g de x appartient à cet intervalle, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0. Il me reste le troisième cas, g de e au carré plus l'infini. À partir de notre tableau de variation, c'était bien égal à 0, 1. Ça veut dire que quel que soit donc x appartenant à e au carré plus 1, vous avez g de x, il est toujours inférieur à 1, mais il se trouve supérieur ou égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va en conclure? Donc, on va conclure tout simplement que g de x, il est supérieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle 0, e, union, bien sûr, e au carré, e au carré, plus l'infini. Alors, ça, on vous a dit de résoudre l'équation, je pense, g de x supérieur ou égal à 0, bien sûr. Alors, voilà la réponse à cette question. Maintenant, je vais passer à l'exercice, le dernier exercice, l'exercice 6. Alors, bien sûr, cet exercice-là, on vous donne la courbe de la fonction, on vous dit, voilà, c'est le point A, c'était le point d'abscisse A, tel que A représente l'intersection de la droite delta d'équation y égale à moins x plus 2 et la courbe. Alors, vérifiez que l'exponentielle de moins alpha, de moins a, pardon, égale à 3 moins a. Alors, pour cette question-là, donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Donc, vous savez bien sûr que a d'abscisse a, il appartient à quoi?
il appartient à l'intersection de ces deux f, il appartient aussi à delta. Alors, d'à partir de notre courbe, ça veut dire que f de A sera égal à l'équation représentant delta, c'est-à-dire l'image par rapport à cette équation-là. C'est-à-dire que f de A égale à y de A. Autrement dit, f de A, c'est quoi? C'est l'exponentiel de moins A moins 1. Donc, est égal à yA. yA, c'est moins x plus 2. Donc, c'est moins A plus 2. À partir de cette équation, je tire exponentiel de moins A est égal à 1 plus 2. Donc, c'est 3 moins A. Donc, voilà pour cette question facile. Donc, deuxième question, c'était montrer que l'intégrale est égale à 1. Donc, je vais prendre une autre page. Donc, je vais poser cette intégrale I. C'est l'intégrale de l'x entre 0 et A de l'exponentielle de moins x moins 1 dx. Alors, c'est très facile parce que vous connaissez bien sûr l'intégrale de l'exponentielle de moins x ou bien d'une façon générale, l'exponentielle de ax dx, c'est 1 sur A, l'exponentielle de ax plus une constante. Donc, en appliquant cette relation-là, donc ça sera donc moins, je vais ressortir le moins, donc l'exponentielle de moins x, et vous savez bien sûr que l'intégrale de 1 dx c'est x, donc c'est moins x, donc je vais faire ici 1 moins, donc moins x, donc je vais y faire plus pour qu'il soit moins x, c'est bien ça. Donc entre 0 et a. Donc ça va me donner, voilà, l'exponentielle de moins a plus a moins l'exponentielle de 0 qui est égal à 1. Donc, c'est-à-dire, je vais remplacer l'exponentielle de moins a déjà trouvée dans la question 1. Donc, c'était 3 moins a. Donc, il reste plus a moins 1. Donc, en simplifiant, ça donne 3 moins 1, c'est 2. Donc, c'est moins 2. Alors, la dernière question, on déduire l'air. Alors, si je reviens avec vous, bien sûr, dans la courbe. Donc, l'air assuré. Vous remarquez bien sûr que la fonction en question f, il était bien au-dessus de l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'elle est négative. Donc, l'air de cette fonction-là, ça sera donc l'axe des abscisses qui représente y égale à 0. Donc, on va dire 0 moins f de x, ça veut dire moins f de x. Donc, voilà. Donc, l'air qu'on cherche, normalement, c'est l'intégrale entre 0 et a. Alors, il faut faire très attention. Moins f de x dx. Alors, moins f de x dx, c'est-à-dire que c'est l'intégrale de cette fonction-là. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de moins de l'exponentielle de moins x moins 1 dx qu'on a trouvé égal à moins 2 avec ce moins, donc ça veut donner plus 2. Bien sûr, on va multiplier par unité d'air. Donc, voilà la réponse à ce sujet-là de 2023. Je pense que c'est un exercice, bien, c'est un problème. Grosso modo, c'est un problème qui ça comporte sur toute l'année. Donc, ce sont des questions typiques. Donc, celui ou bien celle qui a bien révisé ses leçons, je pense qu'il ne va pas trouver assez de problèmes, bien sûr. Alors, je vous souhaite une bonne chance. Je vous dis à bientôt.